Est-ce que vous êtes sûr qu'on a embauché le bonne personne? Où est-ce que tu veux en venir par là, Gloria? Pantelrose est un Attaldais. Tu crois sincèrement qu'il va faire quelque chose d'incroyable avec un plan aussi... débile? T'as même pas écouté le plan, comment tu peux le savoir, hein? Parce que je le sais, tout simplement, hein. Mais en fait, c'était quoi le plan de Pantelrose? Vous le saurez. Mais cela étant dit, ma très chère Gloria, si jamais Pantelrose échoue, comme je te l'ai dit, il va subir la colère de Mickey le souris pourri en envoyant les moments les plus humiliants de Mickey le souris pourri numéro 3. Attends une minute, je croyais que le numéro 3 ça a été fait par Pantelrose. C'était pas officiel, ça a été fait par un fan. Voilà, c'est un fan mail, voilà, c'est tout, point, merde. Wow, t'es vraiment vulgaire, hein. Non, normal, je suis un présentateur. Ex-présentateur. Sans commentaire. Mais il y a intérêt à ce que Pantelrose réussisse, sinon il va entendre des nouvelles, hein. Y compris celle de Mickey, hein. Comme je l'ai dit, t'es vraiment sûr d'embaucher la bonne personne? Oh, ta gueule, on verra l'épisode, hein. Ouais, avant, on doit passer le générique. Évidemment, hein. Et pourquoi le générique d'Assassination Classroom, hein? Pourquoi pas un générique de Total Drama, hein? C'est tellement mieux avant, les, quand on avait des génériques comme le camp des défis extrêmes avec le générique de l'idée des défis extrêmes. Alors pourquoi ne pas tout simplement remettre le générique d'un des défis extrêmes au lieu de, des autres génériques tout pourris, hein? Balancez le générique. Attendez un peu, attendez un instant, tous mes cris, mes SOS seraient criés en vain. Je suis resté concentré sur mes attaques, cherchant à surpasser mon destin. La durée était là sans merci, et le temps n'arrange rien, il défait lui aussi. Comme si ma couverture était brutalement enlevée, je tremblerais en insécurité. On pleure, on rit pour un rien, et ça paraît futile. Mais ces choses à nos yeux font la discipline. Il est temps de se quitter, la cloche à retentir. Une page à tourner, une partie. Bye bye yesterday, 50 semaines de labeur. Tous ces efforts gravés dans nos bagages. On avait les essais de s'accrocher à tous nos rêves. Pouvoir foncer vers demain. Bye bye yesterday, 50 semaines de labeur. Tous ces souvenirs gravés dans nos mémoires. Vous êtes ravis de croire en nous. Je vous remercie d'avoir aiguillé le chemin. Bye bye yesterday, 35 jours heureux. Je chérirai à cette aventure. Et même si je continue de grandir, je ne sais pas vos valeurs d'épée. J'aurais jamais cru qu'on ait pu réussir à devenir des hyper all-stars. Même moi, je n'y avais pas cru, hein. Ah bah pareil. Ça prouve que moi, Carlos le tentacule, j'ai beaucoup de talent. Ah ça, ça te fait vraiment pas dire, mon poteau, hein. Ouais, tu m'aimes pas très sincèrement, hein. On est tous épatants, mon gars. Et désolé à ceux qui ont été éliminés, mais qui n'ont pas réussi à tenir plus longtemps, hein. Ouais. Ouais, désolé, hein. Cela étant dit, maintenant, notre seul obstacle, c'est de trouver un moyen d'éliminer Mister Dédé. Mais sincèrement, si on élimine Mister Dédé, on fait quoi après? Bah, je pense qu'on doit se casser chacun pour soi, par-ci, par-là. Vraiment? Bah, malheureusement, oui. Alors, je te rappelle quand même que maintenant on n'est plus que 10 et que plus les candidats partent de l'aventure et plus on doit trouver un moyen de se mettre d'accord qui sera gagnant. Ouais, c'est une question de dualité, hein. Je te le fais vraiment pas dire, hein. C'est comme toi et Banjo Kazooie, vous n'avez pas le choix, vous devez trouver un moyen de vous mettre d'accord qui sera gagnant, hein. Ah bah non, ce n'est même pas possible parce que moi et Kazooie, bah on est en duo, hein. Et alors? Bah, c'est que Banjo et Kazooie, on est en duo, on est inséparables. Ce qui donne le fait que si on perd l'émission, on sera éliminés ensemble, hein. C'est pas clair, ton truc. Comment ça, c'est pas clair, mon truc, hein? C'est ça, sincèrement, hein. Ils vont te faire un dessin, hein. C'est même pas logique, parce que normalement, c'est un candidat par élimination, ou par deux candidats par élimination. Oh,
J'en perds les mondes, sincèrement. Là, je comprends même plus rien, sincèrement. Hein. Comment ça se fait que, sincèrement, que Banjo et Kazooie, ce sont les seuls candidats qui forment... Est-ce que vous essayez de me dire que si Banjo Kazooie, ou que ce soit Banjo ou Kazooie, gagne l'émission, ça veut dire que... Oh, j'en perds les mondes, c'est complètement confus, ce genre de règlement. Ça, je te fais vraiment pas dire, sincèrement, hein. Mais en fait, Banjo, il est où, Kelly? Ah ben, il est en train de jouer à Mario Wonder. Mario, bon quoi? Attends une minute. Mais il n'y a même pas d'écran, il n'y a même pas de prise. Ah ben, croyez-le ou non, mais on a trouvé une télé magique. Une télé magique? Oui, exactement, on l'a trouvé il y a quelques semaines, hein. Mais pourquoi tu nous as même pas dit avant, hein? Parce qu'on n'y avait pas pensé, hein. J'aimerais bien voir ça, mais il est où? Et il se trouve là-bas. Il était juste à côté, en fait. Sans commentaire. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je pense qu'il va essayer un niveau pour nous... pour faire quelques petites découvertes. À ceux qui n'ont pas encore joué à ce jeu, hein. Je vois ça. Et pourquoi Peach, d'ailleurs? Bah, il y a d'autres, tu trouves pas? Non. Carlo, t'es vraiment pas gentil. Tu dis ça parce que bon, Peach a été trop souvent sous-côté? À quoi? Bah... Oh, Kazooie, t'as vu comment est-ce que l'hippopotame est gros? Ah oui, il fait vraiment penser à Gloria l'hippopotamus. Bien joué, ça c'était drôle, Kazooie, ça c'était drôle, hein. Ah, il manquait vraiment pas, Gloria, hein. Enfin, je parle bien de l'hippopotamus, hein. Hippopotamus. Eh ben, tu gères très bien, Caron. Enfin, je veux dire Kenny, hein. Eh ben, on n'arrête pas le progrès, hein. Qu'est-ce que tu fais, Kenny? Ouais, attends, c'est moi ou ce petit fleur qui ressemble à la trompette vient de parler? Je vois pas en quoi ça te surprend, Carlo, parce que bon, c'est Mario, hein. On a quand même toujours des... What the fuck? Mais j'ai devenu un éléphant? Une sorte de tribu des éléphants. Dans le livre de la jungle, si tu vois l'idée, hein. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu vas comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah super! Maintenant on est encore dans une galaxie, hein! Non, 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 non. Fais bien attention, Kenny! Concentre-toi! N'empêche que c'est cool quand même qu'ils n'ont pas mis de timer dans ce jeu, parce que bon, ça aurait été un contre la montre, je veux bien, mais... Dans un jeu mode normal, je vois pas l'intérêt, hein. À part juste créer d'autres fresques. Oh, regarde! C'est le papa de Gloria, hein. L'hippopotame. Bon, c'est bon, on a compris, hein. Ah! C'est quoi ça? C'est une graine de brindille, d'après ce que j'ai compris. Viens vous jouer, Kenny, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a un icône de Daisy, en fait? Parce que ce qui est vraiment génial, c'est que tu peux jouer en ligne avec des joueurs, hein. Mais seulement les joueurs seront comme des sortes de fantômes, hein. Je vois ça.
Bien joué, Kenny. Tu progresses. Enfin, en même temps, faut pas non plus se l'inventer, hein. C'est le niveau le plus facile, hein. Tu passes, c'est en 3 étoiles, hein. Non, rajoute pas, ok? À ce que je vois, vous avez trouvé l'écran magique, hein. Félicitations, hein. Et vous pouvez profiter de l'occasion de jouer aux jeux vidéo. Écran magique, tu parles, c'est juste un écran basique, hein. Peu importe. Mes très chers candidats, c'est bien pour tout ça de jouer à Mario Wonder, mais c'est l'heure de l'épreuve. Hein? D'habitude, tu n'essaies pas d'utiliser une sorte de microphone, ou bien encore, je sais pas, pour nous avertir, hein? Non, parce que comme je suis un peu d'humeur, j'aimerais bien vous appeler en venant vers vous, hein? Alors, n'hésitez pas à rejoindre au territoire pour l'épreuve, comme vous retrouvez habituellement, et enfin bref, vous l'aurez compris! Oui! Bon, ben, c'est l'heure de l'épreuve. Kenny, tu peux quand même profiter du jeu en tant que tu veux, ou en même temps, c'est l'heure de l'épreuve, hein. Rien n'est dit, sincèrement, Kenny, hein. Enfin bref, il ne reste plus qu'à faire l'épreuve une bonne fois pour toutes. J'ai hâte de savoir quel genre d'épreuve ça serait, hein. Je me demande surtout quel genre d'épreuve que les commentateurs ont voté, hein. Ce qui est sûr, c'est que, bon, l'épreuve de... C'était quoi la dernière épreuve qu'on avait déjà fait? Peu importe, allons-y, Kazooie. On a quand même une émission à remporter. Exactement. Ouais, Hyper All-Stars. Je serais même plus qu'un Hyper All-Star. A few moments later. Les 10 All-Stars... Oh, non, je devrais plutôt dire... Les Hyper All-Stars. Jusqu'ici, vous avez été plutôt talentueux. Mais malheureusement, l'un d'entre vous risque de subir l'élimination. Avec l'élimination hasardesque encore? Bah oui, exactement, c'est le concept, hein. Sauf que sans vouloir faire manque de respect, sincèrement, l'élimination hasardesque, ça devrait pas être normalement uniquement pour les épreuves hasardesques. Bah, pourquoi tu dis ça? Je veux dire, Blizzardien avait parfaitement raison. À quoi ça rime de faire l'épreuve hasardesque si sincèrement toutes les épreuves auront des éliminations hasardesques? Je veux dire, même dans le retour au camp des défis extrêmes, on a quand même certains types d'éliminations, genre l'épreuve de réflexe, c'était quand même une élimination par vote, l'épreuve de course c'était une élimination dernière place, l'épreuve de physique c'était aussi une épreuve de vote. Ça, j'avoue, je sais pas. Et quant à l'épreuve hasardesque, c'était une élimination avec une élimination hasardesque. Ça aurait été quand même mieux si, sincèrement, si vous auriez mis les types d'éliminations différents par type d'épreuves différents, au lieu de mettre toutes les éliminations hasardesques sur toutes les épreuves. Tu n'as pas forcément tort, ou quoi, Tom, mais le problème, c'est que si on n'est plus d'élimination hasardesque, et ben, il n'y aura plus vraiment de... tu vois, ça aurait été beaucoup plus suspicieux, hein. Ouais, mais tout le temps suspicieux, ça devient vite gonflant à bout d'un moment. Surtout que sincèrement, on n'est plus que 10, sincèrement, hein. Et puis de toute manière, si un des candidats voudrait l'hasardesque, ils n'ont qu'à prendre l'épreuve hasardesque, avec une nation hasardesque. Et si leur candidat ne veut pas l'hasardesque, eh ben ils n'ont qu'à prendre quoi que ce soit d'autre, comme les courses ou bien encore la physique, qui ont une nation basique. C'est pas forcément faux, mais il faut voir avec Donkey Kong. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, il est où Donkey Kong? C'est une bonne question, sincèrement. Il est en train de peut-être faire du gugu. Scooby-Doo! Fort. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on a un petit problème. J'essaie de chercher Donkey Kong, mais il est introuvable. Quoi? Comment ça, introuvable? C'est la bonne question, sincèrement. C'est une très bonne question. Vous savez, mes très chers candidats, on est d'accord que d'habitude c'est Donkey Kong qui prend le rôle en tant que présentateur. Mais là, malheureusement, j'ai même pas trouvé Donkey Kong. Et donc, malheureusement, il se peut que l'épreuve risque d'être annulée. Alors moi, bien sûr, si Fort veut prendre la part en étant présentateur, hein. Quoi? Juste pour cet épisode. Mais je te rappelle quand même que... Non, je sais, Fort, je sais que ça a été vraiment naze de ce qui s'est passé. Mais, très sincèrement, je crois que t'as pas le choix. Si on veut faire l'épreuve, ce sera soit là, soit l'autre. Moi, je vais essayer de chercher Donkey Kong du mieux que je peux.
Pendant que ce temps, toi, tu vas faire l'épreuve. Enfin, tu vas présenter l'épreuve. Et l'épreuve s'agit de l'épreuve de réflexe, proposée par les commentateurs. Ah, je vois. Donc, mes très chers candidats, bonne chance. Pendant ce temps, je vais chercher Donkey Kong. Oh la vache, Donkey Kong disparu, mais qui l'a cru? Oh, trop suspicieux. C'est quand même un peu bizarre, à bout d'un moment. Où est-ce que tu veux en venir par là, mon très cher coiffeton? Ce que j'essaie d'en venir, c'est que bon, on avait déjà eu faire face à Homer qui a escaladé et que du coup il s'est fait virer. Mais maintenant, Donkey Kong est disparu. Moi, je trouve qu'il y a un petit truc qui va pas dans toute cette histoire. Vraiment pas du mur, hein. Peu importe, le plus important de tout ça, c'est de faire l'épreuve. Pour le moment, on va régler ce petit problème plus tard. Cela étant dit, pour l'épreuve de réflexe, j'ai trouvé une épreuve qui pourrait être une occasion pour vous pour faire l'épreuve. Mais cela étant dit, malheureusement, il se peut qu'il n'y aura pas d'élimination par vote. Quoi? Il y aura encore une élimination hasardée? Non. C'est en fait une épreuve de réflexe, certes, mais ce qui donne le fait que le concept de l'épreuve est d'essayer de me trouver. De te trouver? Ouais, exactement. Et c'est quoi l'élimination? L'élimination, c'est que si l'un d'entre vous risque de finir dernier, eh ben, vous risquez de subir l'élimination. Attends, c'est même pas logique du tout. Normalement, ça devait être l'épreuve de course, mais celui qui est arrivé dernier, c'est vrai ça, ça colle même pas, hein. Je vois, d'accord, c'est vrai, maintenant que tu le dis. On n'a qu'à faire simple, très sincèrement. Si jamais les trois candidats n'ont pas réussi à me trouver, il devra subir l'élimination. Ça vous va? Ok, ça marche. Ça va mieux. Là, c'est mieux. D'accord. Gugu. Ah oui. Yoho. J'approuve. Bien. L'épreuve, ça suffit de me trouver, hein. De te trouver. Oh cool, on va faire un cache-cache. Pas n'importe quel cache-cache, hein. Une cache-cache avec une bonne énigme. Si les candidats ont réussi à me trouver, ils seront immunisés pour la prochaine épreuve. En revanche, si les quatre autres candidats n'ont pas réussi à me trouver, ce sera la cérémonie d'élimination assurée. Mais ce sera par vote, puisqu'étant donné qu'on est dans une épreuve de réflexe. Mais cela étant dit, j'aimerais bien expliquer concernant les votes sur la cérémonie d'élimination. Mais cela étant dit, pour passer en bref, vous devez me trouver avant que... Bah, vous savez, avant les autres. Parce que si c'est pas le cas, vous risquez la cérémonie d'élimination. Donc, si je comprends bien, si les quatre autres candidats n'ont pas réussi, on risque de subir l'élimination. Tout juste. Mais pas hasardesque, puisque de donné qu'on n'est pas dans une épreuve hasardesque. Cela étant dit, que la force soit avec vous. Et autre part, puisqu'il s'agit d'une épreuve de réflexe, je vous ai fait un petit dessin pour que vous puissiez réfléchir et me trouver un peu plus facilement. Wouh! Wow, j'apprécie sincèrement, hein. Je suis en haut, j'ai réussi en grimpant, je me détends. Où est-ce qu'il veut en venir par là? J'imagine que c'est une... C'est un endroit, en haut, mais il a réussi à grimper. Mais laquelle? Sérieusement? Et je me détends? À quoi ça sert de mettre ce genre de phrase, hein? Je pense qu'elle doit être un indice supérieur, hein. Ou bien un indice fait par les fainéants. Une petite minute, il est où Woody? Je m'en balèque! Cet indice est à moi et vous n'aurez rien du tout! Oh putain de rat de merde! Je vais te foutre une baffe! Calme-toi, Carlo! Je pense pas que c'est le moment de se disputer! Je pense que c'est le moment de faire l'épreuve! Lâche-moi! Ok, très bien! On va faire de notre mieux pour gagner l'épreuve, n'est-ce pas, Kazui? Ouais! Bon bah, on va vite retrouver Woody! Mais où est-ce qu'il peut être? Ça, j'avoue que j'en sais rien. Gugu, moi pour le moment, je suis toujours tout seul en alliance. Bah moi aussi, mais pourtant, je me débrouille bien. Mais est-ce que tu pourrais... Est-ce que je pourrais rejoindre ton alliance?
Allez, Kiki! Allez! Ok, très bien. Mais fais de ton mieux pour gagner l'épreuve. C'est assuré, Kiki! Waouh! Bon, bah, nous, en attendant, on n'a qu'à essayer de chercher Woody. On va quand même pas laisser tout seul, hein. Il fait quand même partie de notre alliance, quand même. Ce serait vraiment dégueulasse. Je te le fais vraiment pas dire. Ah, c'est bon, je suis pas un bébé, moi. Mais je voulais t'aider, tout simplement. Enfin bref, Ronty Tops, est-ce que tu as retenu l'indice de tout à l'heure? Je t'avoue que... sur commentaire, Ronty Tops. Est-ce que tu as retenu l'indice? Eh ben... Attends, je crois que j'ai peut-être une idée. Quoi? Et si j'essaie de faire comme Winnie l'ourson? Winnie l'ourson. Ah non, non, pas en faisant l'obséder du miel. Non, 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 non. Quand Winnie l'ourson est perdu et qu'il sait même pas quoi faire, il réfléchit en disant « Pense, pense, pense !» C'est débile. Oh, allez, Carlos, sois pas un gros rabat-joie. Essaie de réfléchir aussi. Moi, je sais quel est l'indice. Bah, est-ce que je pourrais au moins essayer de faire la technique de Winnie l'ourson? Moi, mais pas trop longtemps. Parce que on a une épreuve à faire. Ok. Passe, 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 passe. Je sais. Ah. Et c'est quoi? On n'a qu'à grimper. Ensuite, faire le saut en hauteur. Faux. Alors c'est quoi? Il faut... tout ce que je sais, c'est que Faux est en haut. Il faut grimper et il se détend. Mais oui, bien sûr! Quoi? Il est en haut! Oui, mais où exactement? Ah ça, je sais pas, mais on a qu'à fouiller partout, hein! Ok, Kenny, tout ce qu'on sait, c'est que Faux est en haut, il a réussi à grimper et il se détend. Mais où exactement? Je vais essayer de réfléchir. Il est en haut, il se détend et il a réussi à grimper. Alors, c'était quoi déjà? Oh, je sais! Il doit être à la montagne! Quinze... Attends, sérieusement, à la montagne? Mais oui, exactement, la montagne! Qu'est-ce que tu crois? Pour une fois, c'est pas bête. Non, je pense pas. Il a un grand peu, la peau de ce qu'on a. Voilà, imagine s'il s'est grimpé sur une échelle. Tu as imaginé ça, hein? C'est peut-être pas forcément faux, hein. On pourrait peut-être essayer de fouiller, hein. Ok, ça marche. Kenny, t'es pour ou t'es contre? Bonjour. T'es pour ou t'es contre? Je pour. Ah, ça me va. Parce que si t'es contre, je vais te sodomiser à fond. Gaz, oui. Mais non, je rigole. On n'a pas le même style d'humour, hein, mon très cher Manjo, hein. Sans commentaire. Enfin bref, allons-y, hein. Woody! 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 Mais qu'est-ce que... Woody! Il a l'air assommé et triste. Je dirais plutôt assommé, mais triste, ça m'étonnerait, hein. Woody, est-ce que ça va? Woody! Oh, il faut vite que je le soulève un peu délicatement, parce que... Woody, ça va pas bien? On a du mal à comprendre. C'est pas concernant le fait avec tes voix par-ci par-là, mais là vraiment j'ai vraiment du mal à comprendre. J'ai vraiment toujours du mal à comprendre. Peut-être que si j'essaie de masser un peu la tête, il n'a pas vraiment... Enfin, peu importe. Il a l'air de sentir mieux. Et on comprend mieux de quoi il parle. C'est rassurant. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Woody? Apparemment, quelqu'un l'a assommé. Ah bon? Quelqu'un? Je suis presque à parier que ça doit être Mister Dédé, hein. Waouh, waouh, waouh.
Tu ne sais pas qui c'est? Wow. Plus fort que ça? Il t'a... La personne en question t'a frappé plus fort que ça? Wow! Tu crois que c'est encore un cours d'Homère? Ça m'étonnerait, hein. Le Starland est sécurisé depuis longtemps. C'est impossible à ce que ça soit encore un coup d'Homère. Longtemps, tu voudrais pas dire depuis le dernier épisode. Peu importe! Woody, Quoi qu'il en coûte, il faut être un peu plus prudent. Mais comment ça se fait que quelqu'un comme toi t'es plus assommé? Quoi? Tu as eu Donkey Kong et c'est à ce moment-là que tu t'es assommé? À mon avis, Donkey Kong a été kidnappé. Mais bon, ça, on verra ça pour plus tard. Le plus important, c'est de faire l'épreuve. Et le Donkey Kong dans tout ça? Je sais, mais si jamais on perd le temps, eh ben, on pourra peut-être pas réussir à résoudre les problèmes. Si on reste dans l'aventure, on pourra réussir à résoudre les problèmes. Mais pour le moment, si on fait pas l'épreuve, on aura du mal à résoudre ce genre de problème, hein. Je vois un peu l'idée, hein. Vraiment? Pas vraiment, en fait. Ce que j'essaie de te dire, c'est que faire l'épreuve, c'est quand même plus important que trouver Donkey Kong. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que notre priorité, c'est de faire l'épreuve, afin qu'on puisse rester dans l'aventure pour qu'on puisse enquêter tous ces problèmes. Ah, je vois! Pour éviter l'élimination. Oui, exactement. Ça fait un peu égoïste, je te l'accorde, mais si on veut essayer d'aider Donkey Kong, il faut faire l'épreuve, puis après résoudre ce genre de problème. Enfin bref, tout ce que je vous rappelle, c'est que il avait marqué « Je suis en haut, j'ai réussi à grimper et je me détends. » Je crois peut-être savoir où. Quoi donc? Je peux forcément me tromper, mais puisqu'on essaie de gagner du temps, suis-moi. Enfin, suivez-moi. En haut, grimper et je me détends. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Grimper? Est-ce que c'est vraiment dans un sens grimper aux arbres? C'est ça le cas? Mais c'est moi ou? Ah, bon, je vais me servir de cette branche comme un trampoline. Enfin, donc comme une planche, enfin bref. Boing, boing, boing. Hein? Fort. T'as pas voulu essayer de faire la gague du ramadan? Ah, j'aurais pu penser à ça, mais bon, désolé, mais je suis plus concentré vers l'épreuve. Ouais. Enfin bref, félicitations, Coiffeton, t'es le premier à arriver. En d'autres termes, tu es immunisé pour le prochain épisode. Super! Maintenant, il ne reste encore que 5 places. Oui, forcément. 1 plus 5, ça fait 6. Et donc 4 plus 6, ça fait 10. J'essaie de faire le matimal... Peu importe, tu l'as compris. On y est! Le sommet de la montagne. Pourquoi est-ce qu'il y a personne? À mon avis, ça doit être dans un sens où on s'est trompé de chemin. Tu trouves, Kazooie? Ouais. Mais c'est toi qui as proposé cette idée! Moi? C'est toi qui as... accepté mes idées! Oh, c'est ça, hein? Il faut beaucoup de rondeaux, hein? C'est ça, apporte-toi à faire qui que ce soit, hein? Kazooie! Comment ça, Kazooie? C'est toi qui as commencé à porter ma faute, hein? Peu importe. C'est peut-être leur faute, mais avant ça, ils rentrent pas le temps perdu, hein? Oui, Kenny a raison. Mais on sait même pas où est-ce qu'il est! Quoi? Grimper? Quoi? Quoi? J'espère que t'as trouvé le bon emplacement, parce que sinon, tu seras le prochain à être éliminé. Kazooie, ne sois pas blessant, hein. Ah,
C'est énorme! T'es vraiment sûr que c'est là-bas où se trouve Fort? Je suis peut-être sûr. Wow. Ouais, mais si on se trompe, eh ben, on saura qui sera le responsable. Hein. Je le sais. Gugu! Elle est fée, le petit Woody de Toy Story. Il a raison, il n'y a pas de Toy Story. Hein. Pourtant, il s'appelle Woody. Sans commentaire. Mais pourtant, je sens aussi un coiffeton, mais où est-ce qu'ils peuvent être? Et je sens aussi comme un certain numéro 4. Attends. Il doit se retrouver là-bas. Ouais, exactement. Eh ben, Scooby-Doo, tu m'épates, hein. Et pourtant, j'ai fait un tas d'allers-retours, hein. Mais c'est grâce à mon petit nez. Gugu, mon nez est mon plus petit prodige. Enfin bref, il faut qu'on monte et qu'on gagne l'épreuve. Quoi que coûte. D'accord. Wouah, ça marche. Je suis en haut, j'ai réussi en grimpant et je me détends. Non. Cet indice ne sert à rien. Putain de merde, fortune. Tes indices totalement aides. Stupide. Je vais t'en foutre une, moi. Je vais grimper en haut, je me détends. Non, mais je te jure, c'est comme si je pouvais grimper un arbre, je te jure. Un arbre. Mais oui, où ai-je la tête? Il faut vite que... Yeah. Super. On est en haut, mais on n'a même pas trouvé Fort. Oh, ça va, c'est pas comme si... ce serait... la catastrophe. Ça l'est quand même, parce qu'on risque de finir dernier, hein. What? Eh ben, ce serait pas quoi ton bizarre. Ah, mais oui, c'est vrai, grimper en haut, je me détends. C'est là où se trouve... Fort. Non, dépêchons-nous. J'ai comme la sensation qu'on sera dernier. Ah, d'accord, attends. T'aurais pu au moins penser à descendre. Pas le temps. Félicitations, Woody, Blizzaria, Mayona, et même y compris Scooby-Doo, vous êtes arrivés. Ce qui voudrait dire que il ne reste plus qu'une seule place. Une seule place. Et les autres risquent de subir l'élimination, hein. Bon, au moins on reste soudés. Ouais. Wow. Bon bah, bien joué Scooby-Doo, tu sais quand tu peux, hein. Ouais, mais pas grâce à toi, Gugu. Sans commentaire. Oh non. Oh, espèce de malade mental. Tu veux romper notre place? Moi, espèce d'imbécile, je t'assure, hein. Vous voulez vraiment voler ma place? C'est moi qui l'ai trouvée, donc c'est moi qui mérite la place, hein. Hein? Où est-ce que tu vas en venir? Tu mérites la place. C'est nous qui avons fait beaucoup plus d'efforts que toi, hein, espèce de pickpocket. Quoi? Tu me traites de pickpocket? Mais pourquoi tu m'insultes de pickpocket, hein? Bah, ton avis, pourquoi? Tu as volé notre affiche au lieu de le partager, hein? Espèce de radin, hein? Je ne suis pas un radin, je suis Mister DD. Mister de Bruce? Hey, n'essaie pas de changer de surnom, hein, espèce d'imbécile, hein? Mister Débulos. Ta gueule, l'indozombie débilos. Hey! Je crois que c'est peut-être le moment d'essayer de... De voler la place. Pourquoi tu dis ça? On forme une alliance, Kenny et moi. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai comme la sensation que on est que 5. Et Fort avait dit qu'il ne resterait que seuls les 4 candidats risquent de subir l'invitation. Oh. Mes très chers candidats, vous avez réussi à résoudre l'énigme. Félicitations, hein. Mais malheureusement, je pense que le problème, c'est que il faudrait que l'un d'entre vous puisse passer, hein. Parce que malheureusement, il ne reste plus qu'un seul ticket d'immunité, hein. Parce que oui, les 5 autres candidats ont réussi à passer l'épreuve. Et que malheureusement, ben, il ne reste qu'une seule place. Fort, quoi? Pourquoi est-ce que tu as révélé comme ça, sincèrement? Tu crois sincèrement que c'est une bonne idée de révéler comme ça alors qu'ils n'ont pas complété l'énigme?
Puisqu'on est au point à ce qu'il ne reste plus qu'une seule place et que tout le monde se retrouve là, et que d'autant plus que Carlo et Rotitops ont repéré le fait qu'on est là, je pense que ça vaut quand même le coup de prévenir le fait qu'il ne reste plus qu'une seule place. Mais il n'y a pas de mais! Ah, je te jure! Négatif désagréable, Gugu! Mais! Bouh! Bouh! Oh, mais sérieusement, Scooby-Doo, n'en rajoute pas, veux-tu? Quoi? Plus qu'une seule place? Oh! Ça voudrait dire que l'un d'entre nous pourrait avoir l'immunité, hein? Et c'est moi! Parce que je suis le seul dernier antagoniste! Il faut un antagoniste dans une émission! Sinon, c'est plus drôle, hein! Oh, je suis pas un con! Je vais te foutre une, moi, monsieur le ramadan, hein! Non, c'est pas monsieur le ramadan, je m'en pas le connais, hein! Monsieur Ramadan. Monsieur Déboulos. Monsieur Ramadan. Monsieur Déboulos. Je pense que c'est le moment de voler l'immunité à qui que ce soit. Mais Kenny. Écoute, on s'est mis d'accord, c'est chacun pour soi. Alors, il faut qu'on trouve un moyen d'avoir une immunité. Mais ça se fait pas pour Kenny. Il faut penser à... Non, je veux qu'on gagne. Alors, Banjo, essaie de tenter de faire une distraction. Tu as peut-être raison. Sincèrement, c'est toi qui as plus de mérite pour avoir l'immunité, hein? Surtout après ce qui s'est passé avec la sœur de Kisco. Oh, mais sincèrement, c'est juste qu'une simple élimination de rien du tout. Une élimination stupide. Tu sais, Carlo, il y a quand même une différence entre bon épisode avec élimination stupide et mauvais épisode avec élimination stupide. Ouais, quand même. Moi, je me suis pas vraiment très pris mal, hein. C'est juste un jeu, après tout. C'est juste... C'est juste une partie, hein. Mister Débulos. Mister Ramadan. Mister Débulos. Mister... Ramadan, hein. De toute manière, c'est des andouilles, ils sont en train de disputer et... Attends une minute. Il est où l'ours débile et l'autre piaf? Hey! Oh. Vite, Banjo, go! Oh! Fais contre! Toi, tu dégages. Carlo! Ça, tu vas le payer, Mister Débilos! Essaie de m'attraper si tu peux! On est bientôt arrivé! Ah! Tu perds rien pour attendre, monsieur le piaf! Je crois qu'on n'a pas le choix! Ok! Il faut qu'on vole! Oui! Oui! Ouf! Quoi? On a réussi! Ouais, 105 balles cette fois! Casui, c'est le moment jamais d'y arriver! Allez, d'y arriver avant que ce soit trop tard! Ok! Yo! Oh! Certainement pas! Ow! Arrête ça, espèce de débile zombie, hein! Ok, tu me laisses pas le choix! Rotitops! Quoi? Carlo est en danger! Il est en train de se faire dévorer par des piranhas! Quoi? Ah! Ah! Carlo, j'arrive! Aïe, où? Non! 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 Hein? Ah, mais... Mate pas, espèce de pervers! Désolé. Et tu parles d'un jetlaman? Gugu, stupidos! Bon... c'est le moment de vérité, les cocos, hein. Je pense qu'on sait très bien qui est le vainqueur, hein. Qui a réussi à récupérer la dernière place, hein. Oh, non, non, non. Je vais être dans le seul acte. Eh oui, désolé, Mister Dédé, mais malheureusement, c'est toi qui as perdu l'épreuve. Et quant à Banjo Kazooie, ils ont récupéré la dernière place. On a assuré, Kazooie. Oh oui. On est les meilleurs. Seulement, hein, comme j'ai pu remarquer, Banjo et Kazooie ont utilisé la capacité vol, ou ils ont volé tout court, ce qui est contraire à tous les règlements. Ce qui voudrait dire que Banjo et Kazooie sont disqualifiés. Quoi? Désolé, Banjo, vous faites partie des losers de la cérémonie. Quoi? En d'autres termes, Mister Dédé est... le vainqueur de l'épreuve, enfin, le dernier arrivant. Je savais que je suis tellement génial, hein. Ah, ça t'embauche à quoi, ma cocotte, hein? M'approche pas. Eh, désolé, l'ours débilos et le piaf, mais vous avez perdu. Eh oui, le jeu, c'est le jeu. Non!
Mais pourquoi tu as fait ça, Kazui? Moi? Mais tu voyais même pas l'inconvénient d'utiliser la... que je vole. Ça suffit. Cela étant dit, malheureusement, Protitops, Carlo et même entre-temps Kenny et Banjo Kazooie, vous ferez partie de l'élimination. Désolé. 20 minutes later. Ok, mes très chers candidats, vous n'avez pas été à la hauteur pour cet épisode. Je suis vraiment désolé. Cela étant dit, puisqu'étant donné qu'on est dans une épreuve de réflexe, il n'y aura pas d'élimination hasardesque pour cet épisode. Et si vous voulez l'élimination hasardesque pour avoir plus de suspense, je vous recommande de voter pour épreuve hasardesque si vous voulez avoir plus de chances d'avoir des éliminations hasardesques. Enfin bref, maintenant c'est l'heure du vote. Pour éviter de faire un peu trop l'équivalent à Total Drama, je me suis dit que peut-être que... un Pringle au spicy, ça fera l'affaire. Moi ça me dérange pas le hot spicy, mais ça fait pas un peu trop du reality show de donner des chips par chips? Bah on en parle de BFDI hein, on donne des gâteaux, y avait pas vraiment des dramas hein. Si quand même un peu, enfin bref. Mes très chers candidats, vous connaissez bien la chanson si vous reconnaissez, si vous avez déjà vu les reality shows d'avant. Celui qui reçoit des Pringles peut rester à l'aventure, celui qui ne reçoit pas de Pringles devra quitter l'aventure. Vous connaissez bien la chanson hein. Cela étant dit, puisque les votes ont été passés, c'est l'heure de la distribution des Pringles. Voici les votes. Cela étant dit, je vais pas résumer les votes quoi que ça d'autre, parce que franchement, je préfère éviter le drama. Hein. Attends, où est-ce que tu vas en venir par là? Le seul candidat, enfin, la seule ou le seul candidat qui n'a pas subi le moindre vote s'appelle... Kenny. Où est-ce qu'il veut en venir par là, par ne pas subir le drama? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, cela étant dit, pour les votes, je pense que le candidat qui a reçu un vote, il y en a un par chacun. Deux candidats qui ont été votés une fois et un candidat qui a été voté deux fois. Oh, là là, je stresse. Ce qui voudrait dire que les deux Pringles revient à deux candidats qui ont reçu une seule vote. Et cela étant dit, les deux candidats qui vont pouvoir rester dans l'aventure s'appellent... Alors là, je stresse. Oui, j'espère. Enfin, pour de quoi on stresse? Après tout, Kenny fait partie de notre alliance, hein? On risque pas un double de vote, hein. Ça, c'est bien vrai, hein. Déjà, Kenny et Banjo et Kazooie, ça me stresse. Bon, Rotitops, tu reçois ton Pringle. Ouf. Et celui qui devra quitter l'aventure s'appelle... Ce sera certainement pas nous, parce que nous, on est les duos. Et puis de plus, ce sera plutôt Carlo, parce que lui, il n'a pas vraiment de talent. De toute façon, oui, c'est... Kazooie a raison, à part pour la partie de Carlo, parce que je voulais pas être vexant, mais bref, on reste dans l'aventure, hein. Eh ben, devinez quoi? C'est... Carlo qui reste dans l'aventure. Quoi? Désolé, Banjo Kazooie. Vous êtes des candidats vraiment super. Mais malheureusement, l'aventure s'arrête pour vous. Quoi? Mais comment ça se fait? Comment ça se fait, hein? Et puis d'abord, où est-ce que tu vas en venir par de pas créer le drama? Très sincèrement, je préfère... Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que... Hein? Mais c'est quoi tous ces papiers? Attends une minute, est-ce que ce sont pas des... Quoi? Attends une minute. Bon, ok, limite pour Carlo, je veux bien comprendre, mais Kenny? Quoi? T'as voté contre nous, Kenny? Comment? Non, Kazooie, non. Hein? Je pense que c'est totalement compréhensible, pour être tout à fait honnête. Pourquoi? On l'a laissé tomber, Kenny. Je pense que c'est déloyal de notre part de laisser tomber un alliance. Mais quand même! Non, Kazooie! Ce qui aurait été plus loyal, c'est de se mettre d'accord si qui va gagner et qui va pas gagner. On aurait pu essayer de discuter amicalement avec Kenny
et de se mettre d'accord si l'un d'entre vous, nous ou Kenny, pourrait avoir la dernière place d'immunité. C'est que tu as raison, le banjo. On aurait dû réfléchir à deux fois. C'est vrai. C'est aussi ma faute. Je comprends parfaitement ton vote, Kenny. Et on accepte. Ouais. Mais bon, au moins, on est Hyper All-Stars, hein. Qu'est-ce lui. C'est vrai. On est quand même Hyper All-Stars. On peut être quand même fiers de nous, hein. Mmh. On reste quand même amis, malgré tout. Ah, au moins, Bonjour Kazui et Kenny sont compréhensibles. Ça reste quand même une bonne chose. Je comprends bien, c'est toi qui as voté contre moi. Bah désolé, c'est par pure stratégie, hein. Ah, je comprends. Enfin bref, heureusement qu'il n'y a pas le moindre souci de drama. Carlo? Quoi? Quantitops? C'est toi qui as voté contre moi? Pourquoi tu... Je croyais qu'on était amis! Oui, je t'ai voté contre toi, Carlo. C'est que... Pourquoi tu as voté contre moi? Je croyais qu'on était amis! Mais oui, c'est le cas, c'est juste que... J'ai pas envie que tu subis la moindre humiliation. Ah bon, c'est le fait que c'est à cause de moi si j'ai perdu l'épreuve, hein? C'est ça? Oui, c'était ta faute. Enfin, non, c'est pas ta faute, mais c'est juste que sincèrement, j'ai du mal à te voir comment progresser l'aventure. Et surtout que j'ai pas envie que tu souffres davantage. Tu fais même pas confiance, c'est ça? Tu fais même pas confiance? Eh ben, devine quoi? Si j'avais raison, je déteste tout le monde. Je préfère faire confiance à personne. Carlo, je... Oh, désolé, Rotitops. Eh merde, c'est pas vrai. Bon ben, Banjo Kazui, je pense qu'il est grand temps de retourner à votre maison. Ouais, je suis désolé ce qui s'est passé, Rotitops. J'espère que vous allez mieux entendre avec Carlo, hein. Ouais, tu parles sans drama. Enfin bref, balancez-nous. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est pas comme si... En fait, je préfère être un peu seul pendant un bon moment. Qui est le crétin qui a balancé la liste des votes? Ah, je te jure, celui qui a fait ça. Pourquoi mon coup, le nom qu'on fait, qu'on vote? Pour être tout à fait honnête, j'avoue que... je sais pas, j'avoue que même moi, je comprends pas pourquoi... Qui a marqué ces noms-là? Je veux dire, c'est vrai que Randy Tops a voté contre Carlo, mais qui est Lola Rambance qui a voulu faire ça? Je te jure. Enfin bref, c'était pas une super ending pour un épisode, je suis vraiment désolé. N'hésitez pas à choisir quelle épreuve vous voulez qu'on fasse. Mais bien évidemment, l'épreuve de réflexe ne sera pas disponible. Et désolé de ce qui s'est passé, mais j'espère que sincèrement ça va mieux s'entendre. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine épisode de Challenge Mégalo. Et vous n'avez même pas fini les Pringles. Oh, je te jure. Attends, quoi? Carlo et Rotita se sont disputés? Et tout ça juste pour une faute? Mais Carlo devrait mieux placer de savoir que c'est qu'un jeu. Oui, mais bon, Carlo est bipolaire quand même. Et maintenant, ils se sont disputés. Ils sont même plus devenus amis. Oh, je te jure. C'est vraiment dommage. Oh. Je m'en fous royalement. Oh, toi, la ferme, Mister Dédé, hein. Oh, je te le fais vraiment pas dire. Oh,
moi qui croyais que Carlo allait enfin arrêter de faire son crachat et voir le bon côté des choses. Qu'est-ce qu'il y a fort? Je sais pas, mais c'est concernant Donkey Kong, mais où est-ce qu'il est? Je t'assure que j'ai tout cherché. Ah, même pas moyen, j'arrive même pas à le trouver, mais comment ça se fait? J'avoue que je suis totalement épuisé après la journée que je viens de subir. Entre le drama et la disparition de Donkey Kong, je sais pas qu'est-ce qui est le pire, hein. Ben moi, le drama, ça me va. Je croyais que tu détestais le drama. Et d'ailleurs, comment ça se fait que tu sois dans ce reality show et que... Comment ça se fait que tu t'es intéressé à ça alors que... d'après ce que Coifto m'avait expliqué, tu voulais pas participer à une émission parce que drama... Eh ben... Oh, regarde, il y a Donkey Kong. Change pas de sujet, hein. Pour une fois, il a raison. Quoi? Hein? Salut à tous. Donkey Kong? Oh. Donkey Kong, tu es bien là? Oui. Et... Qu'est-ce qui s'est passé? Pour comment ça se fait que tu t'es disparu? Ben, j'étais allé dans la forêt. J'étais en train de me détendre. J'étais en train de réfléchir à une épreuve. Pour le prochain épisode, hein. Ah bah oui, parce que bon, l'épreuve est déjà terminée, hein. Est-ce que t'es sûr que... qu'il n'y a rien d'arrivé de grave? Non! Ok, je suis vraiment content que tu sois de retour, Donkey Kong. On est tous contents. Enfin bref, j'espère que sincèrement tu vas rester dans le prochain épisode parce que, ouais, franchement, déserter pour... franchement, c'est vraiment pas top du tout, hein. Je sais. J'espère que tu feras du meilleur travail pour le prochain épisode. Pareil pour moi. Tu nous as fait peur quand même. Je sais. En tout cas, on est tous contents de savoir que tu vas bien, hein. Ouais. J'espère sincèrement que tu vas bien se passer, que tout va bien se passer pour toi, Donkey Kong. Tu parles. Tout va bien se passer, les candidats. On se retrouve tout à l'heure ou demain ou peut-être on se retrouve. Enfin bref. On se revoit tout à l'heure, enfin, peu importe, on se revoit. Tu parles, à tout à l'heure, ou à la prochaine épisode, les enfants. Les enfants? Je suis pas un enfant, moi. Wow. Du... D'accord. Porte-toi bien, Donkey Kong. À plus. Vous trouvez pas que Donkey Kong agit bizarrement? Pas, écoute, Mayona, S'il va bien, c'est que... Bah, c'est la moindre des choses. Bon, bah, je vais aller autre part. Pareil. Tu n'as pas remarqué le moindre soupçon chez Donkey Kong? Non. Vraiment bizarre. Tout se déroule parfaitement comme j'avais prévu.